Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en direct de la LAN, mais je continue de charbonner les vidéos actualité. Je vais vous débriefer un petit peu ce qui s'est passé hier, notamment lors des quarts de finale entre Fnatic Liquid et Evil Genius Mouse eSports, qui ont été tout simplement extraordinaires. J'espère que ça vous fait plaisir, que je travaille quand même un petit peu dans ces conditions. Et je suis désolé si un peu l'audio, voilà, il y a tout le background derrière. Mais en tout cas, vous m'en voudrez pas, c'est juste temporaire. Donc on va voir un petit peu maintenant ce qui se passe. Et comme vous pouvez le voir, le premier quart de finale a été remporté par les Suédois 2 à 0. Et j'aimerais vraiment souligner la performance des Suédois. J'avais un petit peu ressenti le fait qu'ils étaient un petit peu sous une bonne étoile et qu'ils avaient beaucoup de réussite ces derniers temps, Fnatic. Je sentais qu'ils allaient gagner ce match-là, mais c'est surtout grâce à l'individualité Brolan que je trouve tout simplement prodigieux. On souligne un petit peu les performances en général de Ziwo, de Simple, de Device aussi, mais très peu en tout cas de Brolan. Et je trouve que la réussite de Fnatic lui est en partie due notamment à lui, mais aussi à Krims. Et ils ont été vraiment très bons, que ce soit sur Overpass. Surtout qu'ils ont commencé Terro ou la dernière carte Inferno. Vraiment, ils ont été excellents sur les deux compartiments de jeu tactiquement et surtout individuellement. Et Liquid était un petit peu en dessous. Voilà, ils n'arrivaient pas à mettre de headshot et tout. Ils rataient beaucoup de duels. Et ça s'est clairement vu. Au niveau de la deuxième. Du deuxième match, de la deuxième quart de finale, c'est Mouse eSports qui l'emporte. Et pareil, je le sentais un petit peu. J'avais dit que dans la continuité de l'Asian Championship, ils avaient gagné en assurance, ils avaient gagné en confiance. Clairement et historiquement, il faut comprendre qu'ils ont gagné trois fois d'affilée contre Evil Genius. Donc là, ils ont remporté la première carte assez facilement de train, qui est leur pick, en commençant Terro. Donc vraiment, c'était une superbe prestation avec un Wokzik qui a été tout simplement colossal, et surtout Kerrigan qui avait des calls et des changements de rythme de jeu que j'ai trouvé tout simplement fabuleux. La deuxième carte, c'est Evil Genius qui l'emporte, genre 19-17 sur le fil. Très honnêtement, c'était un très beau match. Il y a eu des clutches dans tous les sens et ils se sont pas laissés faire, et vraiment c'était une belle partie. Et la dernière carte historique, vraiment historique, 16 à 0 en commençant, c'était bien évidemment sur Nuke. Donc ça aide pas mal, mais clairement ils étaient dans un mood positif et tout. C'était un beau match à voir, parce que même s'il y a eu 16-0, Evil Genius changeait systématiquement de tactique. Ils allaient un petit peu l'XT, faisaient vraiment des belles exécutions intées, et c'est pas passé. Ils sont vraiment tombés contre Mouse eSports, qui a été monstrueux, et notamment un Wokzik qui s'est vraiment mis en valeur. Voilà les potes, cette vidéo prend fin. C'était en total underground. J'espère que ça vous fait kiffer. Je me mets en full screen. Merci beaucoup. Abonnez-vous ceux qui le sont pas. Mettez un gros dislike sur cette vidéo parce qu'elle est d'une qualité très médiocre. En tout cas, à bientôt.